mes premiers réels pas, difficile à m'en souvenir, mais je sais que j'ai commencé le hockey. J'avais mon père qui était sportif de haut niveau, lui dans le vélo, donc il a fait 9 Tours de France et il a été invité à donner le coup d'envoi d'un match où j'ai eu la chance d'aller avec lui et j'ai été mordu. Tout de suite, j'ai été pris et du coup, j'ai fait mes premiers pas par la suite sur la glace rapidement. J'arrête tôt parce que en fait j'ai monté une société il y a quelques années avec mon père, donc c'est lui qui a fait le gros du boulot mais il a monté cette société pour que nous derrière avec mon frère on puisse avoir une reconversion parce que lui il a eu sa reconversion aussi. Il sait que c'est un monde qui est pas facile pour les sportifs. On revient du monde un peu, comment dire, on redescend un peu de notre petit nuage, on va dans le monde réel et puis c'est pas facile à s'intégrer tout de suite et puis à prendre nos marques. Donc là, on a la chance de pouvoir faire ça. Puis je pense que c'est une grande chance pour moi de pouvoir arrêter à ce moment-là aussi. Je suis en pleine forme, en pleine possession de mes moyens, donc c'est une chance pour moi de pouvoir reprendre la boîte. Après, pour ce qui est de hockey, j'ai accompli ce que je voulais accomplir dans le monde du hockey. Je suis vraiment content de mon parcours. Et s'il y a un souvenir réel à me rappeler, c'est plus mes années juniors où j'étais avec tous les copains à Grenoble. On a gagné le titre de champion de France. Ça faisait quelques années qu'on ne l'avait pas gagné. Et c'était avec les gars avec qui j'ai commencé le hockey, donc c'était vraiment important pour moi de ressortir de mes années mineures avec un titre, avec les copains en plus, c'était fort devant notre public. Ma femme, on a de la famille ici en fait, ma belle-famille est rouennaise et il y a ma belle-sœur qui est mariée à un Canet, donc qui sont de la région aussi. Donc quand ça m'aura marqué parce que ma fille est née ici et que on a vécu des bons moments, des belles années, et c'est là où j'ai commencé réellement à, on va dire, à construire ma vie d'après aussi. Et puis j'ai rencontré de belles personnes ici, donc je sais que je vais garder pas mal de liens ici avec eux. Ce qui va me manquer, c'est je pense, la vie de groupe, la vie de vestiaire. C'est vrai que appartenir à un groupe, une équipe, c'est quand même quelque chose de fort. Tous les jours, on se voit même en dehors, on passe des moments exceptionnels, il y a beaucoup de rigolade dans les vestiaires. Et c'est vrai que ça, je pourrais le retrouver nulle part ailleurs. Et j'ai eu beaucoup de chance de connaître ça. Après, c'est sûr que j'ai fait plein de belles rencontres et que je sais que je vais les revoir dans les patinoires parce que je suis toujours associé au hockey, rien qu'en allant voir mon frère ou des copains. Donc c'est sûr que je vais en revoir beaucoup, mais c'est vrai que ça a manqué ce moment où on est tous ensemble dans les vestiaires, que ce soit pour se motiver pour aller gagner un match ou alors pour rigoler et prendre du fun. C'est vrai que c'est des moments forts qui vont me manquer. Alors ma vie sportive, je pense pas de faire de la compétition ou quoi que ce soit. Même niveau hockey, je prendrai du plaisir, c'est sûr, à remonter sur la glace un jour et j'espère que j'aurai la chance de le faire, mais pas pour de la compétition. Après, je suis un grand mordu de golf. Mon père pêche beaucoup, j'espère aller avec lui à la pêche. Et je compte énormément courir et pourquoi pas remonter sur le vélo avec mes cousins qui en font pas mal. Ton père, il n'en fait plus? Mon père, il en fait un peu moins. Après, ça me plairait de remonter avec lui. C'est vrai qu'il a lâché un peu la selle, mais pourquoi pas remonter avec lui sur le vélo. Ça serait une grande fierté de pouvoir remonter avec un champion comme ça.